Bayonette, salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un tout nouveau Let's Play sur ma chaîne. Vous avez déjà vu Bayonetta sur ma chaîne, et bien écoutez, voici Bayonetta 2, en attendant la sortie très prochaine, plus que très prochaine parce que là au moment où j'enregistre, il sort dans deux jours, Bayonetta 3, qui sera également disponible en Let's Play sur ma chaîne, bien évidemment, Bayonetta 2 qui est donc ressorti sur Switch, c'est la version Switch. À laquelle je joue en direct sur Twitch avec vous les amigos. Ouh là là. Attends. Bayonetta. On va la voir là, notre cinématique. Et le 3 sort sur Switch, du coup. Coopération avec un autre joueur. Tiens, je savais même pas qu'il y avait un mode coop sur la version Switch. Il n'y avait pas ça à l'époque. Complètement oublié ça, c'est fou. Même le scénario, honnêtement, je m'en souviens pas trop. Je joue en mode normal parce que difficile, c'est trop difficile. Allez, c'est parti. On est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Et désolé, je suis un petit peu enrhumé, mais bon. Dans un univers d'ombre et de lumière où la perception façonne la réalité. Immédiat stress, allez. Alors, Bayonetta, c'est un jeu qui est basé avant tout sur l'esquive pour pouvoir déclencher l'envoûtement qui permet de ralentir les ennemis en apparence. Et coucou Cowboy étoile qui débarque dans le chat. Alors j'essaie de pas trop vous déconcentrer par rapport aux voix qui parlent. Mais si vous n'avez pas vu mon let's play de Bayonetta 1, je vous conseille quand même de le voir. Ouh là là là. Parce que le scénario du 2 est quand même lié. Une des nouveautés du 2, on contrôle des machines. Aesir pitied the humans for their naivete and lack of free will. So the power he wielded was split into two equal halves and entrusted each to humanity's instincts. The right eye of light and the left eye of darkness. Donc ça c'est toute l'intrigue du 1. Récupérer les yeux. Humans gained free will. They could now choose. With control of the eyes of the world, the eyes that determine destiny, humans could choose their own paths. They awoke to their own identities. Man is but a reed, the most feeble thing in nature. But now we were thinking reeds, and we took our first big step towards grand prosperity. The inheritors of the eyes of Aesir have been granted the power of creation. Oh là là, les démons sont tellement classe. Cheeky. No one bothered telling me any of your kind survived.
least you're the silent type. The last sage I met spent 20 minutes rambling on and on. What? Cricket Rockwell, le jeu dit Cowboy Étoile. C'est vrai qu'il a un petit côté cricket avec ses lunettes. Est-ce que vous le reconnaissez, Balder? Donc là, attention les spoils si vous n'avez pas vu le let's play du 1. But the right eye of light was lost from the world forever, along with its possessor, the last of the Lumen Sages. Mm-hmm. Nouveau charme dévoilé. La fin. Rémanence temporelle. Qu'est-ce donc? C'est un récapitulatif de... Mais non, c'est ce que je viens de voir, je pense. Ah, quel idiot. Oui. Ah, quitter. Ah! Patate. Non, je veux pas revoir. Sérieusement, y a pas un moyen... Mais t'es... Oh, mais il y a bien un bouton pour quitter. Non, c'est pas normal. Bah ouais, bah voilà. Hop, allez, hop, tac. Voilà. Mais moi, j'aime bien fouiller les menus toujours, donc je veux être sûr que je loupe rien. Quitte à relancer, du coup, l'introduction. Bref, on a vu l'intro. On est chaud, l'astico. J'espère qu'il y a une sauve auto. Voilà. Je continue. Le monde du chaos. Jouer. Quelle est donc cette main qui a pris cette carte? Mystère mystérieux. Écran de chargement pour l'instant vide, mais qui se remplira. C'est Noël. Sur le nounours. Lady Dimitrescu, c'est vous? Here I was shopping, minding my own business, then you show up and turn me into a damn porter. Seriously, Bayonetta, you still haven't paid me back for the car. Hey, whoa! Now, now, is that any way to speak to an old friend? Besides, I did that job for you, for free, my dad. Do I really have to tell everyone how you grabbed onto my leg, sobbing like a schoolboy? Oh là 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 là. This is why I can't have good things. You're some piece of work, you know that? If you weren't already lined up to go to Inferno, you'd be well on your way with all the shit you pull.
dressing up like a nun just so you could off some angels and keep the underworld happy. Hey, I'm talking to you. Shit. But if it's that or getting torn limb from limb for eternity in whatever circle of inferno you witches go to if you break the contract, forget about it. I'd off the fucking wing bastards all damn day. Oh, hey, what the hell? But what the fuck you wasting your time trying to send some schmucks off to the afterlife for? Done and done. Let's go home, Enzo. Hey, wait a second. I ain't done here. If I don't get what I came for, I'm gonna be the biggest mutt in the city. And what is it that you came to fetch, my dear? Real funny. I know better than to tell you a damn thing. I'll never hear the fucking end of it. Yay. Jeanne. You always know how to make an entrance, Jean. A rare sight to see you in the city. Just had something I had to look into. Cereza, you haven't felt anything strange recently. Now that you mention it, I still haven't quite figured out how a broke, bumbling wise guy managed to turn himself into a semi-respectable family man. Forget about it. And what's this Cereza shit? You're about as sweet as my Nona's grappa, you know that? Some witch with amnesia goes around calling herself a weapon, and it turns out she really got stuck with a kid's nickname. That shit's rich, I tell you what. Our friends in Paradiso are far too quiet. I'm sure you've noticed. But they aren't the only ones. Pray tell. Our friends down south seem to be a bit upset as well. And now in libraries, the annual holiday parade is being held today. City police have closed off roads to prepare for the massive influx of merrymakers expected to take in this year's festivities, set to be headlined by a flyover from the military's aerial acrobatics unit. Shit! The Platinum Stars! Crap. I need to hurry up and get Ed and Edna's presents, or I'm gonna get it. We'll talk later. I'll see you back home. Don't forget to pick up the things for the party. Ça, c'est de l'intro, hein. Ça, c'est de la conduite aussi. What's the matter with you? I told you what I'm after. A jet. I want a toy jet. You know, the kind with wings, flies in the sky. No, I'm not buying any damned angels. Yellow, blue, I don't care what color they are. I learned my lesson with those bastards, you hear me? Just a normal damn jet, please! You hear that? I want one of those! The thing's flying in the air right now! That's the one! That's the biggest one you got in the store, right? Wrap it up nice, will you? It's a present, for God's sakes. Yo! You know what? Screw the pretty ribbon! Hurry up! You know, I try to avoid doing this in my Sunday best. Voilà, changer de plan. Acceptance. Ange de la troisième sphère. Est-ce qu'on est rouillé? On va voir ça. Voilà, changement de plan.
Bayonetta. Passe à l'autre réalité où elle peut voir les anges. Vous avez remarqué aussi le changement de coupe de cheveux depuis le premier, hein. Les cheveux courts maintenant. Tu peux également jouer à ce jeu en utilisant les commandes tactiles. What? Comment tu joues au tactile? Non mais non merci hein. Ah, je connais normalement. Et je peux aussi passer en tir avec l'autre bouton. Je connais les esquives. Voilà, l'envoûtement. Le temps est ralenti. Allez, laisse-moi tataner. Ah bah ouais, bon, d'accord. C'est un peu plus rapide que dans... que dans l'entraînement, évidemment. C'est pour de vrai là ma chérie. Ah, j'ai appuyé trop vite. On a ramassé des petites pièces. Oh, Rodin. Le père Rodin. Joyeux Noël, Félix! Joyeux Noël! I can fly. Alors, remplis la jauge de magie, lance attaque spéciale avec L.
Ah! Le grand pied de Madame à Butterfly. Avec Sadik. Salut les Tils, bienvenue à toi dans le chat. Donc Bayonetta 2 effectivement, Tils comme tu le souhaites, une sortie sur Wii U. Console qui n'a pas eu un grand succès. Donc le jeu non plus n'a pas eu un grand succès. Heureusement il est ressorti sur Switch en bundle avec le 1 d'ailleurs, qui était téléchargeable. Jeanne, au secours. Pomp en cucu. Laurier vert, un joyau en forme de laurier qui contient une essence vitale cristallisée, restaurant la santé dès l'obtention. C'est vrai, ça a été, ces meilleurs jeux Switch sont des jeux Wii U. Ouais, il y a de bons jeux sur Switch aussi qui sont natifs sur Switch. Bim! Coup de talon. Voilà, je me suis pris un coup. Bim! Vous avez bien vu Madama là, on l'a vu apparaître. Magnifique visage du démon papillon. Attention! Ah! Attention, chérie, ça a coupé! Argent à cause des dégâts, bon. J'ai pas été très bon pour les combos, si j'ai l'impression. Ça paraît bizarre, mais bon. Oula! Bliff! Puissance de la seconde sphère. Sur esquive. Ah. Toujours aussi monstrueux les anges. Oh. De châtier. Ah. Sois actif, loup. Everything? Forgot the caviar. You think they're still open? It's not Christmas without caviar.
Let's finish this quickly then. Ah! Ah oh, mais c'est fini oui. Avec ta morve là. Oh. Alors qu'il me restait si peu. Gomorra. Argent. Oh là, les combos pas bons. J'ai pas l'impression d'être si nul pourtant en combo. Qu'est-ce qui se passe? Dévoreur d'ange, Gomorra. Mais. Mon brave Gomorra! Mon dragon chéri! Donc, ça, c'est un mauvais plan astral. T'es censé m'obéir, Gomorra. Ah. Je vais te punir, dis donc, pour ta rébellion. Vilain dragonnet. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Arm,
même mes démons ne m'obéissent plus. C'est mieux au niveau des combos. Qui t'es, toi, et qu'est-ce que tu veux ? Lumen Sage. Is revenge not all you desire? I know the one who destroyed your world. I know the one who destroyed your love. Who? Jean's gonna wander Inferno suffering for eternity. Oh, c'est pas sympa. I didn't ask you to tell me what I already know, Rodan. Especially if you're going to be flip about it. You know better than that. You're not the kind to let that sort of summon go out of control, Bayonetta. Something's up. The balance of powers that keep things in check don't feel right. Does it? You know, she's pretty hot for a dead chick. Oh mon dieu. I wasn't a big fan of her shit when she was in the realm of the living. But looking at her now, nah, still not a fan. She's not dead, Enzo. She's right, Enzo. You're only really dead after your soul's been completely absorbed into another realm of the Trinity. But that's just a matter of time. Cause I don't see no way of saving a soul lost in hell. What about the gates? The real gates of hell? I can't stop you from trying to use them, but I don't think you got a chance down there. I'll see what I can do about putting her on ice for a while. You'll need this. The heart of an Umbra witch. The magic that keep your kind alive in this world for eternities. Should keep her body in this realm stable. But you'll need to reunite this with her soul if you're gonna try and bring her back. I figure you got about a day before it's game over. Pratique, hein? Enzo, you've got a jet, right? What? No! No, 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 I do not know. Listen, I appreciate the situation, but you know what today is? My kids got cookies baked for me at home. They're waiting for me. And I still got a place Santa tonight. Let the real Santa take care of the presents. Now let's go. Hey, I said I believed. But Ed and Edna, you can't put one over on those two little fuckers, let me tell you. Hey! Let go! Let go of me! Why do I always get wrapped up in this shit? This motherfucker. Très bien. Un petit argent, écoutez, ça va. Pas trop rouillé encore. Noatun, cité de la Genèse. Ah, me voilà. Sacred Mountain of Fimbulventer. The joint's supposed to be the link between Inferno and Paradiso. They say there is an entrance to Inferno
The gates of hell. Somewhere on this mountain. No one knows where, though. Hell, no one even knows if it's true or not. The only reason this overgrown rock is worshipped like some god in the first place is that no one's ever been able to get close to the damn thing. It's like it don't want you there. Every climber ends up stranded or worse. And don't even try to fly a plane near that place, or bada-boom! But at least your soul doesn't have a long walk to whichever afterlife you got lined up, right? I'll wait for you in Noita, at the foot of the mountain. Just hurry up with whatever it is you gotta do and get back there, all right? And the hotel's going on your account, with a mini bar too. Gotta keep myself busy while I'm waiting. Forget about it. Alors c'est le Kazakhstan là, non? Il me semble, je suis pas hyper fort en géographie, mais il me semble que c'est le Kazakhstan. À l'ouest de la Mongolie, donc. Sous la Russie, l'ouest de la Chine. Eh bah dis donc. Quel coup de langue. I can't believe you, Enzo. I didn't know the in-flight service was exclusive to fat Italians. Then the plane ain't free, you know. That reminds me, you owe Alex the kid for the charter. Whoa, yeah! There it is. That's Fimbulwinter. Such a bad place when you look at it. Oh, but you gotta have a death wish to get close to that damn place if you ask me. Wow. Gives me the heebie-jeebies. What the hell? Where did these clouds come from? What the fuck? Ah, bravo. Mais il avait un petit collier de sage de lui-même, on dirait. Et salut Rouge Mage qui débarque dans le chat en même temps. Allez Jeanne, sois patiente. Alors, on va explorer. Donc là, hop, on peut examiner un habitant de Noatoun. Donc là, il ne me voit pas. Tant que je resterai au purgatoire, ils ne me gêneront pas. Donc on est dans le niveau du purgatoire. C'est-à-dire, c'est un plan astral où les autres ne peuvent pas me voir. Mais on peut faire des bêtises. Racine de mandragore. La racine de mandragore est un ingrédient de base pour les sorcières. Mais elle n'a aucun effet utilisé tel quel. Ça fait partie des pouvoirs qu'on a acquis dans Bayonetta 1. Où il y a plein de choses à détruire, à récupérer. Regardez là, un livre. Une nouvelle piste, réflexion extraite du journal tenu par un homme à l'esprit aventurier. Difficile de savoir comment elles sont retrouvées ici. Alors, je vais pas examiner chaque élément pour me dire c'est un habitant de Noatoun. Bon, évidemment les gens sont un peu choqués de voir les choses se détruire derrière eux parce que là le... Corne de licorne. La corne de licorne est un ingrédient de base pour les sorcières, mais elle n'a aucun effet utilisé tel quel. C'est pour fabriquer des sucettes en fait qui me permettront de régénérer de la magie ou de la santé. Donc les actions que je fais au niveau du purgatoire ont un effet sur le vrai monde. Ça c'est un coffre de sorcière. Et il faut une attaque de sorcière pour pouvoir l'ouvrir. Une sucette lunaire jaune qui contient un extrait magique qui permet d'être insensible à la douleur pour une durée limitée. Oh, j'adorais cette transformation. C'est con qu'il l'ait pas gardé dans le 3. Ah,
Tu peux te cacher. Oh, je vois quelque chose là-bas. Oh, j'avais pas vu le livre. Châtiment divin. Mais je vois la sucette rose. 100. Sucette contient un extrait tonifiant qui permet d'améliorer la puissance d'attaque pour une durée limitée. Pas de dégâts de chute. Tiens, un livre. Mystérieux portail. Raccourci vers un terrible niveau. Un défi. Muspelheim, terre des origines où se rassemblent les meilleurs guerriers de chaque monde. Relève les défis qui te seront proposés ici pour remporter des récompenses de grande valeur. Et si un échec ne t'infligera aucune pénalité, tu pourras donc retenter chaque défi autant de fois que tu le souhaites. Défiez-moi. Faut juste remporter le combat avant la fin du temps imparti. On a 30 secondes. Oula. Oh. Costaud, Jean-Michel. Oh. Ouh, de justesse. Un cœur de sorcière, enfin. Un morceau de cœur de sorcière. Faut en récupérer plusieurs pour avoir un cœur supplémentaire. Fragment de cœur d'une sorcière, rassembler 4 de ces fragments permet d'améliorer la jauge de santé. Oui, panthère, panthère, laisse-moi regarder un petit peu ce qu'il y a dans le coin d'abord. Bon, on a vu un peu tout ce qu'il y avait, non? Oh, attends. J'ai bien exploré. Un portail dans l'eau. Oh, attends. Intéressant. Un autre cœur de sorcière. Rien de l'autre côté. Un passage est visible de l'autre côté de la faille. On dirait le reliquat d'un grand pouvoir qui se dissiperait au plus léger frôlement. Étrange. Étrange petite noisette. Bon, je vais pas vous lire tous les petits textes, fragments de souvenirs, tout ça. On se fera peut-être une pause pour feuilleter un de ces quatre, mais là j'ai envie d'action. Ah ah. Il y a des choses à lire là. Hein. Les ruines oubliées. Ouh. Profond. Hé. Hey. On ne traverse pas cet endroit dans le premier. Ça ressemble à un... Oh. Wow, wow, wow. Petite crotte là. Ça va, oui. Un gecko rôti. Le gecko rôti est un ingrédient de base pour les sorcières, mais il n'a aucun effet utilisé tel quel. J'ai l'impression qu'il y a un endroit dans le premier qui ressemble à ça.
Donnez-moi les thunes. On peut pas se transformer en panthère sous l'eau. Doucement. Hop là. Je vais bientôt avoir un cœur supplémentaire, dites donc. Alors... Bah tiens, regarde. Ah non. Une sucette herbale verte qui contient un extrait guérisseur qui permet de regagner une petite quantité de santé. Ah ah! Tu pensais me cacher ça? Qui sont les méchants ici? Tu ne peux infliger des dégâts que durant l'envoûtement. Ok, easy. Alors c'est bien de viser les ennemis quand même quand tu... Ah! Oh, réagis un peu plus! Ouais bah du coup, bah, trop tôt là. Hé hey. Bang bang! Ah! Oh! Idiot! Ouais, pas terrible, hein. Je me donne pas plus que du bronze, là. Une perle lunaire. La perle lunaire, c'est rassembler deux de ces fragments qui permet d'améliorer la jauge d'énergie magique, tout bêtement. C'est l'équivalent des cœurs, mais pour la magie. Il en faut que deux pour rassembler une perle. Allez, Bécassine. Quel déhanché. Ok. Oula. Ravi Grid. Oh. Santa don't get paid enough for this shit. When Ed and Edna found their daddy wasn't coming back, made me stay all the way through dinner. Don't pretend you weren't delighted. I hear Enzo's wife makes a lovely casserole. It was damn good. I'll give you that. Anyway, tell me how my babies are doing. They're behaving quite well. They found plenty of playmates here. Figured they would. Noatun had some deep connections with Fimbulventer and the Gates of Hell back in its day. Wouldn't be surprised to find a few of those playmates that like it rougher than the typical bunch. Anyway,
you need any supplies, just make sure you keep bringing me these halos. And remember, I ain't here to get up in your business. My business is making things that do business. So don't come crying to me when you... You think you gotta do everything alone? I'm here to help. Just make sure you don't bust a cap at my ass. Allez, on va passer aux portes de l'enfer. Le bar. Welcome to the gates of hell. We've lit our prices on fire, so there won't be hell to pay. Come on, I gotta say some cheesy shit sometimes. Ce macaron indique que les articles sélectionnés par mes soins pour leur qualité hors du commun. Si tu te sens perdu, cherche donc mon joli minois. T'inquiète, je suis pas perdu. Ah, rien disponible en armes. Accessoires. Lumière de sel est né un bracelet ancien créé par la sorcière Cléopâtre. Lorsque celui qui le porte est attaqué, l'envoûtement est automatiquement activé dans l'énergie magique. Oh, c'est bien ça. C'est cher. Je suis déjà à 38 000, cela dit. Bon, j'ai pas les moyens. Des techniques. Stiletto. Frappe un ennemi avec une rapidité à couper le souffle grâce à cette attaque dévastatrice qui peut aussi être exécutée en l'air. Incline deux fois rapidement L vers un ennemi, appuie sur X. Donc, nouvelle technique. Puissant coup de poing, tout ça. Oh là là, ça va très bien tout ça. Forme de la chauve-souris. Pour annuler les dégâts reçus de la transformation. Ah oui. Je l'achète ça. Voilà. Ce que ça permet en fait de. Quand tu loupes une esquive. Et que t'appuies un peu trop tard. Ça te sauve quand même. Ce qui peut quand même m'arriver. Trésor de Rodin. Faut que ça avec les amiibos ce jeu, tiens. Ok. Testera. J'en ai pas sous la main là donc. Enfin, faut que j'aille les chercher, j'ai pas envie. Pas envie! Ok. J'aime pas les poubelles. Oh là! Oh 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 oh. J'ai envie de dire Kalmos. Jean-Michel, arrête. Mais enfin. Un si beau centre historique. Ne détruisez pas Noatoun. Oh là là. Eh oh 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 oh. Rien de caché. Ah, moi j'ouvre comme ça. L'église au centre de cette place est apparemment l'un des plus vieux bâtiments de la ville. Bah, c'est un accès aux portes de l'enfer. On vient d'y aller, les amis. Ah. Un testament de Midas. Il est dit que ceux qui se font teinter cette cloche voient la fortune leur sourire. Ah bon. Pour augmenter les récompenses peut-être. Alors attends. Oh. Tiens. Ceci semble être l'écho d'un cercueil d'une sorcière de l'Umbra perdue dans le temps. Il me faut rassembler ces fragments tant que cette rémanence temporelle persiste.
En temps limité, bien sûr. En dessous. Ah! Oh, c'est pas vrai! Voilà. Les fragments sont emboîtés pour reconstituer le cercle. Attends, parce que j'ai vu un autre coffre. Enfin, un autre cercueil. Attends. Mais non, mais... Elle me coupe pas, là. Elle va ouvrir un cercueil. Tiens. Ah bon. Qui es-tu, petit malandrin? Vêtements ressemblent à des vêtements de l'humaine. Shite. I'm never gonna reach Fimbulventa at this rate. Well, at least it won't be a boring trip. Huh? You could see me. You're putting on quite a show, little magician. Oh, you like that, huh? Huh. Wait till you see the climax. Silly girl. Je t'ai sauvé. You'll have to do better than that to earn a tip, my dear. Who the hell are you? I'm just an innocent little girl lost in Wonderland. Suffering at the hands of the Queen's trumped-up troops. Cute one, huh? Enough riddles. How can you see me? Because we're both in Purgatorio, you see. Purgatorio? So, are we heading to Fimbulventa on a shopping trip for Mummy, little girl? Maybe. She told me never to talk to strangers. Stay out of my way, or I'll make sure you never get in it again. Ooh, scary. Two. Their heads, eh? Damn it. They must have heard me. Accolade, archange la troisième sphère. Tu veux une accolade, c'est ça? Oh! So close.
Sympa votre arme. Tu m'as pas eu. Yes. On pourrait ramasser automatiquement quand même les thunes. Oh, une musique. Les musiques de jeu sont tellement bien en même temps. De l'or. Disque d'or d'hymnes angéliques, l'entrée des gladiateurs. Merci pour les trésors. Mon coffre. Oh bah tiens. Les fragments s'assemblent et forment un cœur de sorcière. Ah, ton bire. Je vérifie que je loupe rien. Ouvre-toi, porte maudite. Tu vas par là? Ah. Non. Plutôt ici. Étrange relique. Voyons voir. Je peux marcher dessus? Oh. Bah dites donc toujours plus. T'as perdu la tête mon gars. If you're looking for the kid, he went that way. Je vous présente Valiance, chérubin de la première sphère. I'm afraid I don't have time to dance too long. A friend is waiting for me. Oui, c'est pratique les chauves-souris. Oh! La tête là, parfait, elle a lâché l'épée. Elle essaie de revenir petit à petit. Vous voyez comme il se détruit, c'est magnifique. Enfin magnifique, monstrueusement magnifique. On voit leur véritable visage. Ils ont un côté plus mécanique que dans le premier. Ils étaient un peu plus viscéraux. Ah! Madame. Et je te quick. Ciao. Tiens. L'oiseau. De mémoire.
Ah. Non. Je suis tombé et je peux pas remonter, je pense. Oh, t'as une sale tronche, Jean-Michel. Comment tu t'appelles? Caché et compassion. Ange de la troisième sphère. J'avais un coffre en plus et j'ai loupé l'oiseau. Il fallait que j'appuie sur le bouton pour choper l'oiseau. Tout ça pour ça. Dis-moi qu'on peut remonter. Hélas. J'ai loupé un coffre. Oh, attends. Non, on peut pas remonter. Ah. Frustration. Qu'est-ce que... Keeping secrets from Mummy? Nope. Nothing comes to mind, love. Sorry. But since this is your bloody mess, do you mind hurrying the fuck up and getting rid of this thing? Now, that's no way to talk to a lady. No wonder your guardian angels are trying to give you a good spanking. Whatever, love. You've already been following me, so let's make a deal. You save me, I'll show you around this joint. Heading to Fimbulventer, aren't we? That makes two of us. And it'll take two of us, won't it, love? You seem to have skipped school the day they taught basic negotiation skills. You're supposed to negotiate from a position of strength, little one. Not just be a one-trick pony. C'est moi qui pose les termes. That works too, I suppose. I don't have time to give a shit about who you are or why you're going to the mountain. Take me there and make it quick. You stay with me and I promise you'll end up in one piece. Got it? Wait, stop. Before I show you the way, love, you gotta agree to a little condition. Do we need to go over my lesson again? First, learn to talk to a lady. We don't react very well to being insulted, little one. Well then, I don't react to being called little one. The name's Loki. And what should I call you, love? I mean, ma'am. Do I look like a ma'am to you? Bayonetta or Cereza, take your pick. Cereza? You don't look like a Cereza to me. Well then, Bayonetta it is. Let's move, little one. Hey, I just told you my name is... You'll earn your name when you become a man. Ah. Rituel de purification. Oui, attends. Regarde. Oh mon Dieu, mais on a le temps là. Et c'est reparti pour un nouveau cœur. Recettes occultes, des concoctions réalisées par les sorcières de l'Umbra. On peut utiliser ce recueil de recettes pour réaliser des concoctions. Donc c'est, en gros c'est pour faire les petites sucettes, les fameuses petites sucettes. Plus une note. Oh. Toujours regarder.
Ah bah voilà de quoi faire de la sucette. Ok. Ah. Hey, hey. Hey! Il est où le dernier? Oh! Allons bon, vers toute la seconde sphère, urbaine. Ah, vous êtes bien urbain, mon cher. Faites sonner les cloches, ça va. Ah, mais elle m'énerve toujours de get out! Ah! Pas terrible sur les dégâts là. Oh tiens. J'ai cette jolie petite arme. Par où le chemin? Par là? Ah ah! Oh! On va aller se reposer au. Aux portes de l'enfer! Oh. Après. Un début d'aventure assez mouvementé. Well, la foi. Looks like you found a good reason to visit. You know, I'm all about them Angelic Hymns gold LPs. Angels in Agony are pretty much my slow jams. I play that back home, and the demons will be lined up to get down. Lucky for me, I got a few jams of my own cooking that'll need a little demon kick to finish them off. That LP is just what the doctor ordered. Now hand it over, and I'll go get my swerve on. This motherfucker did not want to listen to reason, but it's all good, cause neither did I. Put him to work. Rakshasa, de nouvelles armes.
Nouvel arrivage. Le parfum Rakshasa est désormais disponible en magasin. Nouveau parfum, nouvelle arme. 29 800. On va devoir économiser pour l'instant. Ok. Bon. Très bien. Bah écoutez, pour l'instant, on reste aux portes de l'enfer. Mais on se retrouve très très vite pour la suite de Bayonetta 2. N'hésitez pas à consulter le let's play de Bayonetta 1 et 2. Bientôt de Bayonetta 3 sur ma chaîne, bien évidemment. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour la suite. Ciao, ciao!